Bonjour les amis, c'est Axel Braise. Aujourd'hui pour ce nouveau prank, je vais aller voir un arnaqueur du bon coin. Et oui, une Mercedes à 300 euros. C'est complètement dingue. Alors, j'ai vu sur le bon coin donc cette annonce extraordinaire. On s'est dit une Mercedes 300 euros classe A, c'est tout à fait extraordinaire. Ça coûte plus de 10 000 euros. On va voir tout de suite l'arnaqueur et surtout le vendeur. Pas d'amalgame. Et je vous retrouve tout à l'heure pour la conclusion. À tout à l'heure. Bonjour, c'est le bon coin. Le bon coin, c'est ça? Voilà, c'est pour la Mercedes. Oui. Et ben là, voilà. C'est une blague? Non, c'est la Mercedes classe B, c'est ça? Non, c'était classe A sur ouais, la Mercedes. Ouais, mais classe A, classe B, ça c'est la. C'est la Mercedes de l'annonce. C'est comme le port salut, c'est marqué dessus. Alors non, parce que moi je suis venu prendre la Mercedes. Ouais, c'est ça, c'est la Mercedes. Non, ça c'est un jouet pour enfants, monsieur. C'est la Mercedes, moi j'ai mis une annonce pour une Mercedes. Oui, mais. Une Mercedes, c'est la Mercedes. Hein. Non, donc c'est pas ça, voilà les clés. Alors, ça, c'est les clés. Et puis voilà, hein, là c'est pour tourner à gauche, tourner à droite, clignotant. Alors, le pimpon, c'est le pimpon. Celle que. Et la musique avec, c'est offert, c'est gratuit. Non, la Mercedes que vous avez mis a été noire, monsieur, sur l'annonce. Là, elle est rose. Et c'est pas une Mercedes. C'est beau le rose, monsieur. Non, moi je voulais la noire. La grosse noire, vous savez, la Mercedes classe A quoi. Oui, bah c'est la même modèle. Hein. C'est celle-là. De toute façon, c'est. Ils sont où? Il manque des sièges. Et, non, bah il y a un siège normal. Là, avec ça, vous pouvez circuler. Hein. Il est où le coffre? Là, compartiment passager, coffre à jouets, coffre à bagages. Là, vous avez l'option rétroviseur actif. Donc, non, c'est pas voilà. Monsieur, donc voilà les clés. Donc, c'est pas la Mercedes, monsieur, donc je vais pas vous la prendre. C'était 300. Hein. Je vais pas vous la prendre. Comment ça, vous allez pas la prendre? Ce n'est pas la Mercedes, monsieur. Ah si, c'est ça, c'est la Mercedes que t'as commandé, garçon. Bon, écoute. Alors, déjà, vous avez mis du scotch que vous avez écrit. Quoi? Vous avez écrit Mercedes dessus, donc ce n'est pas la Mercedes. N'importe quoi, j'ai pas mis de scotch. C'est un jouet d'enfant, monsieur. C'est un jouet pour enfants. Et alors, c'était. Fallait demander. Non, je vous ai. La photo que vous avez mise sur le bon coin, monsieur, c'était la Mercedes noire. Ouais, la grosse Mercedes où il y a 5 places dedans. Ouais, mais c'est qu'une photo, j'ai pas mis à jour la photo, voilà, c'est tout. C'est vous ça, vous arnaquez les gens. C'est pas une arnaque. T'avais qu'à vérifier l'annonce aussi, garçon. Hein, fallait demander d'autres photos. T'as même pas demandé le modèle, ni l'année, ni rien. T'as même pas demandé si c'était de l'essence ou du. Machin. Moi, c'est normal, je te vends ça. Ah bah non, moi je croyais que t'étais intéressé, tu m'as pas demandé si c'était une voiture pour enfants. Bah non, c'est parce donc, que. J'avais pas besoin de le préciser dans l'annonce. Bah si, parce que je recherchais une voiture, une vraie voiture. Non mais 300 euros la Mercedes, ça t'a pas semblé bizarre? Bah un petit peu, vous voyez, c'est pour et ça. Et bah alors? Je suis Axel Braise de Malek TV, monsieur. De quoi? Je suis Axel Braise de Malek TV. Attends, putain, y'a encore la musique qui s'enclenche là. Bah, faut pas appuyer sur le bouton, monsieur, en même temps. Ouais, donc tu la prends ou tu la prends pas la Mercedes? Je ne vais pas la prendre, je suis Axel Braise de Manek TV. Oui, et alors je m'en fous de savoir qui t'es, moi. C'est quoi Manek TV et alors? C'est une chaîne sur YouTube, oui. La caméra cachée est ici. Quoi, il y a une caméra là-bas? Oui. Oh putain, nous m'en fous de la caméra, moi. Nous avons essayé de. Mais tu sais pas qui je suis, mon gars, tu crois? Moi je mets des annonces, je crois que je me déplace pour rien. Ah. Là, je t'ai ramené la Mercedes, tu m'as demandé une Mercedes, je t'ai ramené une Mercedes. Vous êtes monsieur un arnaqueur, comme on appelle. Y'a pas d'arnaqueur, tiens, y'a les clés, tu prends les clés. Voilà, t'as les clés, ça y est, c'est bon, c'est 300 euros maintenant. Alors non. C'est 300 euros, je te dis, garçon. Je ne paierai pas, monsieur. En plus, avec ça, t'as pas besoin d'essence, donc t'auras pas de contrôle, t'auras pas de problème. Non, en plus, ça c'est 300 euros, je m'en fous, tu vas me couper ta caméra là. Moi, je m'en fous, vous avez qu'à lire les annonces avant. Donc voilà, moi, c'est 300 euros. C'est pas de ma faute si tu connais rien en voiture. Tu vas lâcher les 300 euros. Toi, tu vas couper ta caméra, Jojo, là. Allez, moi, tu vas me donner tes 300 euros. Les amis, comme venez de le voir, je me suis fait arnaquer. Et oui, j'ai quand même acheté la Mercedes, la voiture. Mais tout ça, c'était pour quelque chose de particulier. Et oui, les amis, il s'est fait arnaquer. Voilà. Bah alors, hein? Alors. Et oui, les amis, c'était une farce, tout à fait. Mais c'était pour vous montrer qu'il y avait des arnaques sur Internet. Et si vous voulez acheter une voiture, faites attention. Parce qu'on ne connaît jamais vraiment le vendeur, ni vraiment le produit. On n'est pas tous des experts de l'automobile, on est d'accord. Donc, si vous voulez acheter une voiture d'occasion,
Le mieux, c'est de contacter Olivier chez Autofacile. Autofacile, les amis, c'est hyper facile d'acheter une voiture d'occasion. On est d'accord ? Vous allez sur Internet, vous contactez directement Olivier. Hein, si vous habitez Rennes ou la région, Olivier vous répond. Il va aller chercher pour vous la voiture qui vous correspond. Vous donnez vos critères. Olivier, il va chercher. C'est un expert, Olivier. Hein. Bon, ça fait quoi ? 15, 20, 20 ans. Hein. Ça fait 20 ans qu'il travaille dans l'automobile. Donc, c'est pas n'importe qui. Il fait pas n'importe quoi. Voilà. Donc, il va chercher votre voiture. Il va aller la tester. Il va vérifier. Hey, si la Mercedes, elle est en plastique ou si c'est de la vraie carrosserie. Si c'est une vraie Mercedes. Si c'est une vraie Mercedes, il va tester tout. Les rétros, il va tester la boîte de vitesse, les pneus, l'accélération. Il va vous faire un rapport détaillé. Et là, vous pourrez prendre votre décision si vous voulez l'acheter ou pas la voiture. C'est ça. Est-ce que vous me donnez l'adresse où on peut le joindre, où il se trouve à Rennes, et le numéro de téléphone si vous l'avez ? Alors, le téléphone, on va le marquer à la fin de la publicité. C'est et puis, dans la description, hein, les amis. Oui, lisez la description. Là, vous pouvez contacter. Et c'est là qu'il vous faire votre achat d'occasion. Et en plus, exceptionnel, hein, Olivier, il peut négocier le prix. Le prix de la voiture pour vous. Parce que des fois, il y a des vendeurs qui montent un peu le prix. Hein. Et puis nous, on n'est pas au courant des cotes. Et bien là, Olivier, lui, va pouvoir négocier le prix de la voiture. Au lieu de 3000, ça peut être 2008, 2005. Oh, des économies de fou. Un peu comme Stéphane Plaza fait avec les ans. Exactement. Exactement. Olivier, c'est le Stéphane Plaza de la voiture. De l'automobile. Tout à fait, les amis. Donc voilà. Faites attention, on peut leur dire. Achat tranquille, achat facile, auto facile, l'auto qui rassure, l'auto qui est tranquille. Achat facile. Donc voilà. Donc tout simplement, faites attention sur le bon coin et allez chez Auto Facile. Sur tous les sites internet, hein, même. Voilà. Attention. Et allez donc sur Auto Facile et contactez Auto Olivier. Facile. Franchement, c'est facile de le faire. Je pense qu'il n'y a rien de plus facile. Parce que c'est pas compliqué avec Auto Facile. Auto Facile, stop à l'arnaque. Voilà, contactez Olivier, c'est pas compliqué, c'est vraiment facile, c'est Auto Facile.